C'est une situation heureusement très exceptionnelle, impossible à imaginer si on ne l'a pas vécue. D'un côté, des familles maghrébines aux nombreux enfants qui sont devenus les maîtres du pavé. De l'autre, la population ancienne du quartier qui subit les exactions de ces gamins désœuvrés et qui a peur. Le samedi 4 août 1984, à Villeurbanne, on dynamite la dernière barre du ghetto Olivier Tser. Ce jour-là, c'est plus qu'un quartier qui disparaît, mais toute une partie de l'histoire de la ville. Ça a été fait pour parquer les émigrés. Alors ton père, il arrivait, il cherchait... Ancêtres de nos banlieues, des centaines de familles, en majorité algériennes, y avaient été concentrées au lendemain de la guerre d'Algérie. Pour tous ceux qui ont connu Olivier Tser, ce quartier reste une légende. Simple souvenir d'enfance, pour certains, plaît encore vif pour les autres. C'est toujours les mêmes. Quand t'as 30 ans et que t'entends encore ce type de conneries, quand t'as des enfants et que tu dois transmettre à tes enfants d'où tu viens et qui tu es, pour donner des bases à tes enfants, eh ben accroche-toi. Fouad Tchergui est né et a grandi dans ce quartier. À presque 25 ans, il éprouve le besoin de savoir d'où il vient. Car comme la plupart des jeunes de banlieue, il se demande encore s'il est français ou algérien. De son quartier de Villeurbanne jusqu'au fin fond de l'Algérie, où il retourne voir son père, on l'accompagne dans ses rencontres et ses questionnements. Ah ben voilà, les enfants qu'ils ont... Voilà, c'est le problème, c'est là. Français, français, c'est pas vrai, je crois pas ça. C'est dit, les enfants français. Non, vous êtes des Algériens. هب شرقي ورماني في بلاد الغربة ميالي Le problème, c'est qu'on n'a pas géré la garde des gosses. Parce qu'il y a des millions d'enfants sous cette histoire-là, heureuses et malheureuses. Bah t'es entre deux portes là. On dit je suis français mais je suis algérien avant d'être français. Tu changes tes papiers, pas ta tête. En France, je me sens. À travers l'histoire de Fouad et de son père, c'est toute une génération d'enfants perdus entre deux cultures que l'on apprend à mieux connaître. Je me considère algérien et en Algérie français. Ici on se sent arabe et quand on va là-bas on se sent français. En fait on est un petit peu là-bas rejeté par eux on va dire et ici un petit peu pareil français aussi. Ton fils il va te voir, toi il va te dire. Papa, où c'est que t'es né, où c'est que t'as grandi, dans quelle école t'as été, toi? Quelle maternelle t'as fréquenté, quel collège, quel bahut, quel... Bah, tu vas la ramener sur la terre de ta naissance. La France. La France.